Bonjour à tous, bienvenue les BG. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 8 de Pokémon Émeraude. Voilà, bien sûr, je suis très heureux en tout cas de vous y retrouver. J'espère que c'est de même pour vous. Écoutez, on va passer un beau moment sur ce let's play. Voilà, allez hop, on arrête de blablater et on commence tout de suite. Bah oui, vous voyez pas le jeu, hein, c'est dommage, vous voyez un écran noir tellement c'est de la merde, mais tranquille. Allez hop. On arrête de baragouiner et hop, on se retrouve là où il fallait aller. Voilà, en gros, il fallait prendre ce putain de télésiège pour. Enfin, télésiège, je sais même pas comment ça s'appelle. Téléphérique, voilà. Téléphérique, oui, télésiège, ça veut absolument rien dire. Pour aller au mont couronné. Non, pas couronné, non, ça c'est un autre jeu. Pour le mont machin là. Le téléphérique est sur le point de monter. Voulez-vous l'emprunter? Oui, entrez, je vous prie. Merci bien, ma petite dame. Tout, tout, tout. Avec la musique, bien évidemment. Incroyable. On apprécie beaucoup les musiques. Hein. Bah allez hop, c'est bon, on t'écale là. On a des gens à les démonter là. Oh, comme ces deux racistes là qui sont en train de se tabasser à mort. Je dois... Ah c'est. Ah ouais, on peut monter par là. Bah du coup, je suppose que je peux pas. Aouh! Et on va continuer à créer plus de terre. Si c'est dans la terre, il y aura moins d'espace pour les Pokémonos. Ouais, mais enfin après. Si la planète elle est à peu près comme la nôtre, bon, je pense qu'il y a déjà suffisamment d'eau sur Terre pour ne pas en rajouter plus. Voilà. Non, mais bon, voilà. Je suis ni l'un pour l'autre, mais bon. Ah ouais, d'accord. Je me suis trompé. Ok, bon. C'est pas grave. J'ai qui comme Pokémon en premier? Galifeu. Bon, Galifeu, je suis pas sûr que ce soit le meilleur Pokémon en réel. Quoique il a des attaques combat du coup. Quoique non, on va mettre Galekid. Galekid, voilà, il faut qu'il gagne un peu de level. Il a avec la troc qui est de type combat, du coup voilà, on est bien. Yo les BG. Grimmelrod, j'aurais dû me douter que tu te pointerais le bout de ton nez. Vois par toi-même de quoi sont capables les fanatiques de la team Magma. Ils essayent d'injecter la puissance du. Du météorite, de la météorite volée à l'intérieur du volcan. À cause d'eux, le volcan risque d'entrer en éruption. Cette team aqua est agaçante. Ils font toujours échouer nos plans. Ah, c'est à dire qu'ils sont pétés. Logique, team feu contre eau, c'est l'eau qui gagne. Mais tranquille. Les météorites contiennent une puissance stupéfiante. Ok, alors à mon avis, il faut que j'aille là. Parce que eux, ils sont morts. Ok, bon, ils sont en train de se fighter leur grande daronne. Du coup, alors, on va mettre. Voilà, lui et lui. On va mettre ces deux là. Et c'est parti pour le combat. Nous, la team Magma, nous travaillons dur dans l'intérêt de tous. Si la puissance de cette chose étendait la Terre, il y aurait plus d'espace pour vivre. Tous les Pokémon seraient heureux. Oui. S'il y avait plus de terre, je pourrais avoir ma propre maison. Je vais en construire une sur la lave froide. Non mais en réel. Les gars, je dis ça vraiment en réel. Je suis clairement d'accord avec la team Magma, quoi. Après, ça dépend ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent étendre un peu plus de terre. Ouais, je dis pas. Après, s'ils veulent réduire littéralement toutes les terres, enfin qu'il n'y ait plus d'eau, là par contre, bon, ils sont juste débiles au sol. Mais en vrai, non, en vrai, en ça, comme on dit. Moi, je dis que c'est une giga bonne idée. Ah, attends, je peux pas faire tombeau roche. Tombeau roche, ça te fait pas les deux? Non. Ok, non, mais en réel, les refs. Non, vous savez quoi, je vais faire ça. Et double pied pour lui. Non, mais en réel, ils ont grave raison. On a besoin un peu plus de terre quand même. Genre ça serait vachement bénéfique en vrai. Plus d'eau, c'est complètement débile. Il y a déjà assez d'eau comme ça quoi. Après c'est la terre des Pokémon, frérot, je sais pas, ça se trouve, il y a exactement la moitié d'eau et il y a exactement la moitié de mer, hein, c'est possible. Mais je pense pas quand même. Mais on est perdu. Tu veux dire que j'ai perdu? Ah mon rêve de grande maison. Ouais. T'as pas ton rêve de grande maison, en plus je te vole ton argent. Let's go! Alors t'as fait tout ce chemin jusqu'ici? Mais il est trop tard, j'ai déjà remis la météorite du site météore au chef.
Ok, bah t'inquiète pas mon gars là. Je vais te retrouver puis je vais te boxer le cul là. Waouh, l'enfoiré. Il a 20 000 Pokémon l'enculé. Galekid, go. Ce qui est quand j'y pense le pire Pokémon à mettre quand même. Genre Galekid. Il est type acier contre des types... Bon. Eh, hey, tombe en roche, est-ce que c'est super efficace contre lui? Parce que bon, on va le virer, hein, du coup, hein, je vois que... Ah, tombe en roche, c'est un peu plus... C'est un peu plus efficace, mais bon. Bon, bah écoute, c'était cool de te connaître, Galekid, mais bon, t'es un peu trop pourri au sol. On va mettre... Elk Sprint. Voilà, il faut qu'il augmente un peu de level, mon petit Elk Sprint. Voici. Onde de choc, ça n'affecte pas mal. Oh l'enculé. Mais c'est qui me les brise ce fumier là. Ah il doit être... Ah bah attends, on va faire force. Touille. Aïe. Wouah. Ok, j'ai mis un coup critique. C'est bien ce que je pensais. Bon bah du coup il exprime. Ah mais si, il y a Medjena là. Medjena, ouais, je sais pas quoi là. Et hop. Mets-le ton Medjena. Hop. On va faire onde de choc et il va mourir le truc. Hop, allez hop, ça dégage la racaillerie là. Aïe. Let's go, la racaille, elle est morte. Merde, j'ai pas vu qui c'est qui l'envoie. Nosferapti. Bon, bon, vraiment pas de chance, hein. Allez hop, tu sais quoi, je te respecte même pas, je te mets un étincelle, moi. Let's go, le one-shot. J'ai eu un peu peur de pas le one-shot quand même. Bon. Même si j'ai perdu, si notre chef arrive à réveiller cette chose... À quoi? Non mais tu vas pas me dire, non mais c'est impossible. À mon avis, c'est après que ça arrive. Ce qui me semble que c'est juste avant la ligue que Groudon, Kyogre se réveille. Après, on est sur Pokémon Emerald, du coup c'est possible que ça soit plus tôt. Alors il me semble que normalement c'est au badge 7 qu'il arrive. Enfin au badge 8 pour avoir le tout dernier badge. Oh... La puissance contenue dans cette météorite a amplifié avec cette machine l'activité volcanique du mont Chimé va s'intensifier instantanément. Son énergie va grandir à l'intérieur de ce cratère et... Qu'es-tu minable? J'ai entendu Arthur se plaindre d'un dresseur qui se serait mêlé des affaires de la team Aqua. Il devait parler de toi, je pense. Alors... Tu veux également te mêler à des affaires de la Team Magma? Écoute-moi bien. Les vrais êtres vivants ont besoin de la Terre pour se développer. La Terre représente tout. C'est le berceau de la vie, de toute vie. C'est pour cela que la Team Magma s'est engagée à étendre la Terre. Notre but est de faire prospérer les êtres humains et les Pokémon. Et pour cela, nous avons besoin de la puissance qui sommeille dans cette montagne. Oh, tu ne savais pas vraiment... Attends, tu n'avais pas vraiment besoin de savoir tout ça? Mais peu importe, je vais te montrer ce qu'il en coûte de se mêler de nos affaires. Allez, viens là. Viens là, le Max là de mes poulas là, t'es très moche. Envoie ton Gavina, je sais pas quoi là, mes couillasses, mon ref. En vrai, ça me saoule qu'il ait ça. Hop! On fait un petit onde de choc et puis il est peut-être pas mort quand même. Là, il faut pas abuser, je pense. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Et il me jette du sable, enculé. Et tu peux aller pas aller te faire enculer là, mon ref, ce SVP? Parce que bon. Avec tes jets de sable là, il veut m'empêcher de bien l'attaquer. Moi, j'aime pas ça. Hein. Moi, je veux réussir toutes mes attaques et te one-shot. Bon, bah, j'ai pas réussi dans tous les cas. Bref. Ouais. Là, c'est un petit. Et là, envoie ton Nosferapti là, mon gars. Onde de choc. Allez, one-shot-moi ce petit ratiste de Nosferapti là. Aïe, ça fait bobo. Let's go, ça c'est fait là, Rakairi là, elle est morte. Carapute là, allez hop, envoie ton carapute. Ton carapute là, camarade.
Carapute. Bon, bah, je vais l'appeler Carapute. Ça l'affecte pas. Bah oui, il est aussi de type sol. Je suis extrêmement débile. Et il gonfle l'enfoiré. Eh ben, j'ai fait vive attaque. Je voulais absolument pas faire vive attaque. Aïe, ça brûle. Oh alors, que je suis là, il fait des dégâts. Tu vas faire quoi face à force? Tu vas résister? Eh, mon coup critique. J'ai eu beaucoup de chance. Non, mais il faut le dire. Quoi? Moi, Max, j'ai été prise au dépourvu. Envoie la moula et ferme-la, minable. Ça suffit, je pars pour cette fois. Mais n'espère pas ne plus entendre parler de la Team Magma. Même sans la météorite, si nous parvenons à obtenir l'orbe, alors là. Oh, Valron, merci. Grâce à ton aide, nous avons déjoué les plans de la Team Aqua. Mais toi, de quel côté es-tu? Peu importe. Nous resterons vigilants et continuerons de poursuivre la Team Magma. Valron, nous nous reverrons. Ah mais je suis pas ton pote, baisse d'un ton, ok, espèce de petit enculé de merde. Hop. Un météorite. Mais non, bah, ça veut rien dire un météorite. Une météorite. Attends, c'est moi qui l'ai mal. Météorite. Et placé sur le mystérieux machin, voulez-vous... Oui, bien sûr. On va le droit de retirer. Ouais, météorite. Vas-y, on va voir à quoi elle ressemble, la météorite. A mon avis, elle doit être dans les objets hyper rares. Objets rares. Ah ouais. Ok, bon, ok, ça sert à rien. Hop, oh merde. Oh oh, c'est Isabella, j'ai plein de choses à te raconter. Tiens, écoute ça. C'est sur un tout petit Negapi, chérie. Dès que quelqu'un s'approche, il saute dans mes bras. Le pauvre et petit bébé. Oh, si ce n'est pas ça le bonheur, je me demande bien ce que c'est. Je suis si heureuse. Il fallait absolument que je te parle de ça à quelqu'un. Bon, je dois te laisser, au revoir. Mais ferme ta gueule, non mais c'est quoi ça? T'aurais bien dû fermer ta gueule et me laisser tranquille. Comme si j'en avais un truc à foutre de ton Pokémon. Mais on est où là? Je suis pas votre collègue, moi. Hein. Moi, je suis un aigri de la vie, c'est tout ce qu'il faut savoir. Oh là, attends, qu'est-ce qu'elle veut la petite mamie là? Ah, les lava cookies sont des spécialités locales du Mont Chimé. Allez, vas-y, 200 balles. 200 balles le cookie, il a intérêt pour moi. Ça coûte que 200 balles. Bon, faut se faire foutre. Il ressemble à quoi ton cookie là? Si c'est un cookie basique et que tu l'as appelé juste cookie lava, juste parce qu'on est proche de la lave. Ça va mal se passer. Bon. T'as de la chance qu'on est dans Pokémon, sinon tu serais déjà morte. Bah mais bon. Oh merde, mais du coup on l'a pas affronté lui. Ah y'a quoi comme Pokémon là? Ah ouais. Ok bon. Un chamaloc de mes couilles. Touille. T'as dit quoi la team? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais dans cet endroit pareil? Dans un endroit pareil, ça te regarde? D'accord, bah, c'est bon, hein, qu'avez-vous hein? Moi j'ai rien dit à la base. Hein. Vous êtes un peu psychotique, mon cher monsieur. Hein. Non mais il faut le dire. Allez, on voit ton médié là, là. Qu'on lui pète le boulard. Ah, vous savez quoi? On va mettre Galiquette. Mais comment ça? J'ai jamais dit que je voulais lui, moi. J'ai dit que je voulais Galekid. Utilise éclatroc. Super efficace, mais je le one-shot pas. C'est quoi ce Pokémon de merde? J'ai vraiment un Pokémon, il est éclaté au sol. Allez, meurs. Faut vraiment qu'il level up, quoi, parce que bon, pour le moment, il pue la merde. Non, mais sérieusement. Faut aller se faire foutre Galekid, hein. Chamalot. Je peux rien faire contre ce chamalot de mes couilles là, on va mettre lui là. Bon, on va mettre lui. On va laisser notre Kadabra qui est beaucoup trop cheaté ce Pokémon. Il est terrifiant, tellement il est cheaté, non mais sérieusement. Toi, on va te faire un petit double kick. Touille.
aïe. Et voilà, ça meurt la racaille là. Aïe aïe aïe, j'ai mal. J'aurais dû cacher, rester caché dans ma planque. Effectivement, t'aurais dû mieux fermer ta gueule. Oh là là, un raciste. Tu ne promènes pas ici par hasard, t'es là pour pique-niquer. Bah si je suis là pour pique-niquer, tu peux me laisser tranquille et pas me casser la gueule en fait. Il exprime. On va utiliser force. Parce que je sais pas si j'ai une bonne attaque pour le tuer. Je suis très déçu. J'aurais vraiment aimé le one shot. Et là il va se soigner et ça me désoblige. Alors on fait étinceler les gars. Ça se trouve c'était super efficace, du coup je suis très déçu. C'était pas très efficace. Bah tu vois j'ai bien fait de faire force. Ouais comme quoi des fois je suis pas si bête hein. Oh l'enculé. Mais comment c'est possible? Comment un Pokémon de type électrique peut être paralysé? C'est n'importe quoi. Je ne peux pas me faire électriser alors que je suis un Pokémon de type électrique. Non mais sérieusement le jeu là. Faut vraiment aller se faire enculer quoi. Alors attendez parce que hop cette caméra elle me saoule. J'ai envoyé Galikid mais je voulais absolument pas envoyer Galikid en fait. Je voulais envoyer Poussifeu là. Bon vas-y on va faire que de faire. Enfin je voulais pas envoyer Poussifeu mais... Je sais plus comment il s'appelle frère, il est trop nul aussi là. Bon je vais one shot alors tranquille. Tilton. Galifeu, il s'appelle Galifeu, ouais, tu vois. Oui. Yo les nazes. Mais attendez, Tilton. C'est qui, Tilton? Oh l'enfoiré. Je me suis bien fait baiser là, sur le coup. Ouais. GG. Oh, let's go, il crame. Ah, t'as le seum, hein, grosse merde. Oh l'enfoiré. Et dis-moi que je m'endors pas in direct. Mais non, mais t'es trop nul. Bon bah... Ah ouais, c'est problématique. Allez hop, griffe d'acier, t'es mort. Ah oui, ça fait bobo. Et voilà, petit ton, l'espèce d'enfoiré à m'endormir là. Oh non. Que non, je reviendrai jamais ici de ma vie. Là. Je ne veux pas t'avoir en ami. Un anti-brume. Super. Ça me sert à rien. Alors, comme ça. Kadabraka, mon petit Kadabra. Allez hop, je vais la tuer. On va mettre mon petit Galekid ici là. Yo les nazes. Moi hop, vous me saoulez. J'en ai ras le bol moi. Hop, griffe d'acier. Oh l'enculé. Il m'avait fait tomber l'enfoiré. C'est quoi ça? Ah je peux. Mais non. Bon moi je comprends pas. Ah ouais. Alors choc mental tu vas faire quoi? Ah ah ah. Non, 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 non. Choc mental tu vas faire quoi? Ben. Ouais allez hop. Ah oh, mais il est paralysé, mince. Bon bah il est mort. Ah. Je ne veux pas t'avoir dans mes amis là. Ah. On est arrivé dans une ville en particulier. J'aimerais la vendre mais je descends. Ah ouais là c'est pour aller à une ville. Ouais mais je la connais cette ville là. Oula. Attends mais il y a des mémés là. Non je m'en fiche de vous. Yo les mémés ça va ou quoi? Oh la team. Pourquoi je peux pas aller avec les mémés? Oh forêt. Oh ça va pas le faire. Oh tu aimes. Ah tu aimes les sources chaudes n'est-ce pas? C'est surprenant pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. J'ai un œuf ici. J'espérais le faire éclore dans
Le sable chaud, près des sources chaudes, mais ça n'a pas l'air de souffrir. Suffire. J'ai entendu dire qu'il valait mieux qu'il reste avec d'autres Pokémon dans une équipe. Tu es dresseur, n'est-ce pas? Et tes Pokémon dégagent de la vitalité. Alors, qu'en dis-tu? Tu veux bien ajouter cet œuf? Va ton équipe et le faire éclore. Allez. Oh! Tu as trop de Pokémon. Allez, dégage. Oh non. Kulinju. Tac tac tac. Ouais. Hop, on va déposer un petit. Merde. On va déposer. Toi là, tu sers à rien toi. Ah mais si. Ouais non, tu sers à rien toi. Hop, dégage. Allez, allez, allez. Bah, il fait quoi par contre le vieux là? Être enseveli dans le sable chaud. Oh, si chaud et divin. Oh, oui, 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 oui. Un Pokémon va pincer le dos. Ouais, allez, à boule l'œuf. Attends. Je l'ai du coup là l'œuf? Ah ouais. Y'a pas moyen. Ah, y'a une arène. Y'a pas moyen là qu'il éclore ce fils de pute là. Oh non, merde. Je suis baisé. Oh non. Oh, je me suis baisé. Oh le con. Oh, je suis trop con. Oui. Merci. Quoi? Genre, je vais pas casser la gueule lui. Comment ça, je vais pas casser la gueule? Oh, imitation. Non, je veux pas. Ah, mais je veux. Attends, ça fait combien? Mais non, je veux pas. Ouais, il est trop beau son Pokémon. Mais attends, mais genre, je vais pas casser. Ah, mais je m'en fous de vous, là. Laissez-moi tranquille, putain. Putain, mais genre, j'aurais pas cassé le cul, c'est quoi ce jeu? Touille. Toi, tu veux pas me taper? Hein? Ok, bon. Bon. Allez! Éclos, putain d'œuf de merde! Oh. Allez! Vous inquiétez pas, ça va le faire, ça va le faire. En tout cas, j'espère que vous avez. Oh, je vais péter un câble. Autant faire comme ça, hein, ça va plus vite. Hein. Ouah. En tout cas, vous appréciez le gameplay. On apprécie le gameplay ici. Voilà, c'est n'importe quoi là. Ah, mais il faut que j'aille me faire foutre un peu là. Non, mais vas-y, attends, il faut combien de pas là pour qu'il. Là, il arrive cet enfoiré là. Yo mon ref. Bon, vous savez quoi, je ferai ça hors cam, hein, si vraiment. Oh. Bon. Y'a quoi là? Herboriste. Ah ouais. M'en fous. Alors. Y'a une arène là? Oulala, c'est quoi ça? Pourquoi y'a un trou là? Oh, enculé. Oh, enculé. Tu vois cette flamme dans mon regard? C'est la flamme de la victoire. Non. Non, 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 moi je vois la flamme du seum à la limite. Pourquoi pas? La flamme de la victoire. Hein. C'est des Pokémon de. Pardon. C'est des Pokémon de type feu. Ça va être problématique parce que bon. J'ai pas de Pokémon de type eau. Oh. Oh, mais c'est vrai que j'ai mon Kadabra, il est trop puissant, du coup il va tous les destroy. Allez hop. Ouais. Bah t'étais nul. Eh d'accord. Ok, je suis baisé. Hey. Hey. Bon, c'est quand vous voulez les rats. Moi je vous casse le cul comme vous voulez les nazes. Hey. Allez, viens là le petit papy là. Hey. Eh ouais, t'as perdu. Allez hop, ça c'est fait ça. C'est fait, c'est plus à faire. On a cassé de la racaillerie. Hey. Oui. Mmh. Bah, moi je me suis fait baiser, c'est bien ce que je viens de comprendre. Allez, on va aller en haut. Ça me dit bien d'aller en haut. Oh foiré. Oh, un combat double. Oh, ça c'est vraiment pas nice. Oh les dégâts. Allez hop, ça dégage la racaille là. Non, y'a personne là. Ouais. Viens qu'on se tabasse toi.
fais level up mon Kadabra qui est surcheaté. Y'en a pas un là des deux là. Allez. Ah mais faites level up mon Kadabra. Voilà. Il est surpuissant mon Pokémon. Non mais il est terrifiant. Non mais c'est bon, il faut le dire, au bout d'un moment. Ah lui il va être problématique parce que lui il est même type que moi du coup. Ouais bon bah je peux pas le tuer. On va envoyer lui. Que de faire. Je sais plus d'où je viens. Je suis baisé. Bon, on va aller là. Oh l'enculé, je me suis encore fait baiser. Je sais plus où j'ai été là. J'avais été en haut, du coup là on va aller en bas là. En bas là. Je crois que j'étais exactement là et puis du coup là je vais mourir. Tu vas aller en bas là. Est-ce que je viens de refaire exactement la même chose là et puis je m'en suis pas rendu compte? Je crois hein. Bon il faut pas aller en bas là. Hop, on va aller en haut là. Mais je crois que j'ai encore fait exactement la même chose. Mais oui, c'est bien ce que je suis en train de comprendre là. Non il faut aller en haut du coup. Ah je suis trop fort. Oh non il faut aller là. Wouhou! Oui. Ah. Oh non! Oh non, je dois tout recommencer! Oh non, il faut pas que j'y retourne. Oui. Oui. Oh non, vas-y frère, j'ai déjà oublié par où je suis passé moi. En haut. Au palais en bas, c'est tout ce que je me rappelle. Du coup là on va là. Là on va en haut. Vas-y on va aller là cette fois. J'ai pas intérêt à me faire baiser. Vas-y on va à gauche. On y croit. Fils de pute. Vas-y frère j'en peux plus là. Je suis essoufflé là. C'est quoi ça? Qui a brassé. Bon du coup je pense que je sais où il faut aller. Hop. Là on va en haut là. Là on va là. Et là on va là. Et là c'est bon là. Là on est. C'est bon là non. Let's go. Allez viens on se tabasse là. Bienvenue. Non attends. Misérable dresseur, je suis content de voir que tu as réussi à arriver ici. Par les pouvoirs qui me sont conférés, non attends. Je m'appelle Adrienne, et je suis la championne de cette arène. Ah non, je suis pas champion depuis très longtemps, mais... Ne me sous-estime pas. Grâce aux techniques de mon grand-père, je vais te prouver... Que mes attaques sont super puissantes en fait. Ok. Ok, non mais vas-y, hein, go, moi je suis chaud. Je suis chaud qu'on se marave là. Avec tes Pokémon que je vais one-shot. Parce que mon Kadabra est d'une puissance incroyable. Regarde, Raphaelopsy t'es morte. Ouais, non mais t'es ton Chamallow là. Chamallotte. Voilà, one-shot. Tu vas faire quoi maintenant hein? J'attends. Ouais, j'entends bien de la rage, c'est bien ce que je pensais. Allez, Magma. Easy. Easy. Regardez. Raphaël le psy. Aïe, ma tête. Ah bah je décède. Bah oui, il décède. Et voilà. Camerupt. C'est pareil pour ton Camerupt. Tu l'envoies, il arrive, il fait. Eh moi colère, je devrais tuer toi. Eh bah dans moi décédé. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Regarde. Aïe ma tête. Coup critique. Let's go, le rapace là, ça dégage. La racaillerie ici, on aime pas là. Charter. Je sais absolument pas qui c'est ce Pokémon. Si je pense savoir, c'est la tortue là. Ouais, c'est ça, c'est la tortue. Mais je suis surpuissant, moi cracher de la lèvre. Ah bah non, je décède. Aïe. Coup critique encore. Mais wesh. Kadabra. Il faut calmer son chitage là. Oh non. Oh non. Je suppose que j'ai été prétentieuse.
Je ne suis devenu champion d'arène que très récemment. J'ai essayé de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Bon, je dois agir plus spontanément, sinon mes Pokémon seront confus. Merci pour ta leçon, tu as bien mérité ceci. Ah bah ouais, là, le seum. Let's go. Alors, reçois le badge chaleur de la part d'Ariane. Merci, Ariane, c'est très gentil de votre part. Je vous ai foudroyé en 4 ans. Voilà. Avec le badge de chaleur, tous les Pokémon. Ok, m'en fous, m'en bats les couilles. Ah ouais, vas-y, donne-moi. Tu veux m'apprendre quoi, là? Une belle attaque feu, là? J'avoue que je dis pas non. Surchauffe. Ah, c'est pas fou, en vrai. Hein. Ah non, j'avoue que je suis un peu dégoûté. Hein. Ouais. Ah non, j'avoue que je suis un peu... Ah, je suis un peu dégoûté. Allez, hop, on décale. Je l'ai foudroyé. Ah. Oui, qu'est-ce que je fleule? Valrod, ça fait un bail. Oh, tu as le badge de Vermilava. Pendant que j'étais aux sources, tu as dû attraper pas mal de Pokémon. Enfin, je devrais plutôt dire dresseur. Quoi? Ok, j'ai rien compris là. Je pense que ça serait bien pour toi d'avoir ça. Lunettes sable. Ah oui, j'avoue, c'est pas mal. Les lunettes sable, mais ok. Ah bah merci. Avec des lunettes sable, tu pourras sans problème traverser le désert près de la route 111. Mais ouais, Valrod, te battre dans les arènes, tu t'entraînes dur car je parie que tu ne veux pas perdre contre moi. Valrod, je crois que je devrais défier ton père, que je devrais défier ton père à l'arène de Clémentiville. À une prochaine fois, Valrod. Arrête de flex avec ton bateau là. Enfin, avec ton bateau. Avec ton machin là, ton vélo là. Elle flex trop, elle m'énerve là. Ouais, vas-y là. On va acheter ça là. Allez hop. Toutoui. Oh, attends, on va pas faire le fou quand même. Déjà que 18 000 euros c'est cher. Allez, toutoui. Ouais, bah, on va en acheter. Allez, 17. Bah, 17 c'est peut-être un peu beaucoup quand même. On va en acheter. Et 7, c'est bien 7. Oula, y'a plus d'argent là. On va être devenu pauvre bientôt. Ça dégoûte. Bon, y'a quoi là, Tchim à côté là? Y'a une maison. Oh, la musique. Incroyable. Ma femme tente de faire éclore à un œuf dans les sources chaudes. Elle vient de me le dire. Elle a laissé 2 Pokémon à la pension et ils ont découvert cet œuf. C'est terrifiant. D'ailleurs, j'ai rencontré votre femme, elle est vraiment très bonne. Pour une mamie. Je lui déchire le boulard, quoi. Bon, c'est bon. Arrêtez de faire genre, les refs. C'est terrifiant ce que je suis en train de maragouiner. Ah, d'accord, je viens de capter. Ok, merci. Allez, ciao, bye, madame. Ok, du coup, je peux passer par là. Hein? Incroyable. On prend toute notre eau chaude aux sources. Mais elle ne s'assèche pas, n'est-ce pas magique? Les sources chaudes se forment près des volcans actifs, des filets d'eau chauffés par le magma jaillit de la terre sous forme de sources chaudes. Waouh, voilà, on est bien là. Ils affirment que les sources chaudes calment les nervosités, soulagent les douleurs musculaires, peuvent résoudre les soucis de cœur et attirent l'argent. Bah, putain, c'était seulement vrai. Si on mettait des Pokémon dans les sources, ça pourrait être très étrange. Ça pourrait être un bain électrique, un bain de bulles ou même un bain de lave. Masterclass là, je suis avec mes 2 meufs là. Yo les bébés, ça va les petites chéries là? Allez hop, on décale. On a bien baisé de la grand-mère. Mais bon, il faut qu'on joue sérieusement quoi. Ouais. Bon bah écoutez les BG, on va s'arrêter là pour cet épisode, hein. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr qu'on met un maximum de pouces bleus. On s'abonne, oui, bien sûr. Et moi les BG, je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play. Allez, ciao, bye.